Hey guys, ça y est, je reviens de faire mes petites courses pour le week-end. Donc, je vous montre ce que j'ai pris. Alors, j'ai pris ces petites fleurs qui sont trop cute. Du cidre, parce que nous, on aime ça faire la fiesta ici. Des chips, faut pas s'oublier. Des gaufres comme ça. Du chocolat parce que je le dis bien. Et ça fait un moment. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été. Donc je me suis pris cette pastèque là que je vais bien manger là avec ma petite boisson parce qu'il faut qu'on parle. Alors, une petite gorgée avant. Hein. Alors, juste pour votre information, parce que vous allez voir la vidéo vraiment après. Alors, c'est mon anniversaire bientôt. Voilà. Je suis en train, j'ai l'intention de fêter mon anniversaire cette année. Moi, je suis le genre de personne, je ne suis pas mal à l'aise à l'idée de fêter seul un anniversaire. Mais je crois que cette année, j'ai envie de fêter ça avec, voilà, avec mes proches, bien sûr, parce que je ne me vois pas faire une grande fête avec des gens que je ne connais pas, clair, net et précis, ou avec qui je ne suis pas très très proche, tu vois, genre des relations, genre simple quoi, tu vois. Voilà, pour le moment c'est ça, j'ai pas encore révélé la destination à mes proches non plus, vous allez aussi la découvrir en même temps, c'est une surprise, ça sera hors de Montréal, j'ai vraiment hâte. Et en ce moment, je suis en train de travailler sur l'invitation, voilà. Je vais envoyer une invitation à tout le monde, même si je peux les envoyer juste un petit message. Mais j'ai envie de rendre ça spécial, en fait. Parce que c'est mon anniversaire. Et pour mes invitations, je les fais sur Canva. C'est rapide, c'est simple. Pour ceux qui ne connaissent pas Canva, Canva, c'est un logiciel de design qui est vraiment, en ce moment, c'est vraiment popularisé parce que c'est facile d'utilisation à la différence de Photoshop ou InDesign, qui est vraiment spécialisé pour les designers, les gens qui font des illustrations et tout. Là, vous avez quelque chose de user-friendly, c'est facile à utiliser. Moi, je suis en train de concevoir mon invitation là-dessus avant de pouvoir l'envoyer. Donc, je vous recommande vraiment pour vos anniversaires ou pour des événements. Vous voulez faire des invitations, c'est vraiment facile d'utilisation. Bon, là les gars, moi je vais vous laisser parce qu'il faut que je travaille sur l'invitation aujourd'hui pour l'envoyer vite fait. Et ensuite, je vais aller au cinéma. Je vais vous emmener avec moi, vous inquiétez pas. Je sais pas si je vais filmer quand je vais m'apprêter. Je pense pas que j'aurai assez de temps. Mais en gros, voilà. Je finis, je vous laisse avec un petit timelapse et on se retrouve au cinéma. Minding my business, no time to stop and start thinking about you. Je les apprête pour sortir, pour aller au cinéma. Je m'en vais regarder Transformers. J'avais déjà vu le premier film avec Bumblebee et tout. J'avais kiffé avec la jeune fille, l'histoire et tout, comment elle était passée par son deuil et tout. Et là, je vais aller voir la deuxième partie. On va voir ce qui va se passer. Je vais vous faire un petit retour après. Là, je suis vraiment pressée. Shrek's to me.
j'ai commencé à faire mes cheveux pour mon anniversaire. Alors, j'ai décidé de faire des braids et de faire, voilà, des, comment on appelle, des curls, des boucles à la fin comme ça. Et j'aime beaucoup. Ça va très bien avec cette couleur. J'ai hâte de voir le résultat final. Là, je porte encore mon bonnet parce que ici au-dessus, là, je peux pas bien vous montrer, mais tu vois, c'est pas fini. Mais j'espère que ça sera fini d'ici la fin de semaine pour qu'on puisse partir. Guys, ça y est, le jour J est enfin arrivé. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini mes tresses. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Voilà. On y va. On m'attend. Au château Vaudreuil, j'aime déjà, je suis en amour en fait. Petit rond-tour, les amis. Petit rond-tour. Ça, c'est la salle de bain. Excusez-moi, mais la lumière déjà. Pardon. Ça va être ici les selfies tout le temps. Comment ils ont dit qu'il y a des frigos sur le site internet? C'est ça. Il y a un truc. Là, vous avez la chambre. Mais oui. Regardez la vue. Là, il y a le lac. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Là, on va faire le petit tour de l'hôtel pour voir à quoi ça ressemble. Le château Vaudreuil, magnifique décoration qui rappelle très bien l'Europe. L'occasion de prendre le temps de respirer. Et ceci seulement à 30 à 45 minutes de Montréal. Oui, oui, nous sommes à Vaudreuil avec cette belle vue sur le lac. Je vous laisse en profiter. Tu regardes tes trucs, l'iPhone, l'iPhone. On va passer par la cage de souffrance, mais c'est pas grave. Si tu as peur, pour que tu Eux seuls se sont comportés comme de vrais parents. Je n'avais pas le choix, Jonathan. Mes ennemis se rapprochaient. Je t'ai envoyé dans un endroit dans lequel je savais qu'on s'occupait.
lève les ongles de ce chien là. La colle des ongles. Est-ce qu'un prochain jour, il lui met les ongles là? Que tu sens, tu peux faire un peu comme ça. Ah, ok, c'est pas parti. On met les trois ongles ici. On met ces ongles. Tu vas le mettre du soir. Oui, je mets le soir. J'ai fini de m'apprêter. Voilà. On va aller prendre un petit déjeuner vite fait. Voilà quoi. C'est mon anniversaire, je sais même pas quel âge j'ai. 26 ans? Parce qu'ils ont les peuples qui se réveillent tôt. Oh, wow. La journée finit vite et puis on part à autre chose. Nous sommes sortis pour faire une petite activité. Là, on est sur le canoë. Et regardez-moi cette vue là. Alors je me sens encore plus près d'ici. Plus vivant que l'amour qui se donne. Je suis en train de me préparer pour le dîner d'anniversaire. J'ai porté ma robe orange qui est donnée à l'arrière. Vous allez pouvoir voir de toutes les façons. Ah oui, là. Je peux regarder ça.
Ça y est, guys, dernier jour au Château Vaudreuil. On a beaucoup aimé notre expérience, la nourriture. C'était bon, même si, voilà, ça a pris quand même du temps pour nous servir. Mais on a quand même aimé l'expérience et tout. On a fait pas mal d'activités. Et voilà. Donc, c'est le dernier jour, les amis. Même si on n'a pas envie de partir, on retourne à la vraie vie.